Hey, salut tout le monde, on se retrouve comme promis dans Henri pour l'épisode 10 aujourd'hui. Alors on s'était lâché sur le réveil du cœur du vent là. Et un passage assez difficile, comme dans l'épisode 5. Je me rappelle très bien malheureusement. J'espère juste que ça va mieux se passer, donc si jamais de nouveau au bout d'un certain temps je ne m'en sors pas, ben, on fera une ellipse, j'en suis désolé. Mais j'ai pas spécialement envie de vous montrer 20 minutes de fail. Voilà. C'est parti. Et ça commence bien, on va dire. Alors voilà. Très bien, alors faut y arriver à un moment. Donc là c'est particulièrement difficile, je trouve. Finalement, ce jeu qui fait très poétique et très enfantin a un niveau d'exécution assez assez strict. Le fail, encore une fois, mesdames et messieurs. Bon. Alors, aucune idée de comment... Ah, peut-être en bas. Tout qu'on le fait, en fait, j'y ai pas pensé. Donc on va réessayer, hein. Je serais un peu triste de devoir vous le couper au montage, mais... J'ai pas non plus envie d'y passer une éternité, quoi. On peut dire qu'on a eu très chaud. Et alors on peut espérer que ceci est la fin. Pas exactement. Donc on va continuer. Voilà, bah écoutez, je suis content de moi. Ça paraît peut-être rien du tout, mais au moins c'est ma revanche sur l'épisode 5. Et on se retrouve dans le nid de Kuro. Qui, je le rappelle, est l'énorme chouette qui a arraché la vie à la forêt.
On va peut-être enfin comprendre pourquoi Kuro a fait ça. Je ne comprends pas tout à fait. Alors, est-ce que j'aurai un bug? Il semblerait que le jeu est bugué, alors. On va simplement recharger la partie. J'ai pas trop le choix. Donc on est arrivé aux ruines éplorées, en espérant que la sauvegarde s'est faite. Voilà. Un petit souci au niveau de la cinématique, je ne sais pas. On va passer à la cinématique, hein, si possible. Voilà. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi l'arbre aurait... D'accord, fallait juste attendre peut-être en fait. Mais la patience me perdra. Tiens, pourquoi la cinématique se relance? Tiens, c'est étonnant. Alors je suis un peu embêté là, parce que j'ai l'impression que le jeu ne progresse plus. Tout de suite regarder. D'accord, voilà, maintenant c'est bon. On saura pas vraiment ce que c'est.
On doit donc se cacher de cette chouette, de ce cureau. Mais quoi d'autre? Alors on voit qu'il y a un mur, donc... Voilà, donc le mur est maintenant cassé. Alors, je ne peux pas créer de sauvegarde, évidemment. C'est pas mal. Je pense que c'était prévu, en tout cas, ça semble logique, et on semble pouvoir remonter. Ok, donc voilà, on est parti pour le troisième arbre. Le petit fail. Allons-y. Voilà qui est fait. On se rappelle ici avoir mis une carte, hein. Carte qu'on a eu du mal à mettre, hein. Alors, je ne sais plus vraiment ce qu'il y avait par là. Allez, bois. Vaudrait peut-être la peine d'y aller. On voit que j'ai peut-être un accès en bas. Tu portes très mal l'eau, hein, c'est... Je pense me rappeler de cette zone. D'accord, donc on doit ne pas se rater. Ah, c'est intéressant. Une cellule d'énergie en plus. Essayez de ne pas perdre bêtement. Hein.
Où est-ce que je vais? Pas du bon côté, vraisemblablement. Donc on doit réellement monter, mais où? Telle est la question. Je pense tout simplement qu'on doit aller ici, hein. On se rappelle que j'avais été dans cette zone pour rien, à vrai dire. Car on n'avait pas encore la possibilité de passer. Je vais essayer de regarder attentivement la carte pour voir si j'ai pas loupé un pouvoir. Non. Donc ça, c'est fait. Alors. Ceci, c'est fait aussi. Ok, une grosse zone que je n'ai pas su faire de ce côté. La fameuse arbre de l'épisode 5. Non, je pense que simplement on doit se rendre ici. Ça semble logique. Effectivement se promener plus librement hein, grâce à tous les pouvoirs qu'on a chopés. Alors j'ai aucune idée de si je me dirige vers la bonne. Ah non, effectivement je fais bien de regarder parce que là je suis en train de perdre du temps. Qu'y a-t-il à gauche? Rien du tout. Alors, est-ce que j'ai été dans les bas-fonds ici? On dirait que non. Ça vaudrait bien la peine d'y aller. Ok, j'ai un doute. Et ben voilà, un petit secret révélé. On va en profiter, tiens. Il semble qu'on n'ait pas été de ce côté. Enfin, je m'en rappelle pas en tout cas. Thank you.
Et une barre de vie en plus. Ça, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, 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 hop. Tiens, tiens. Ah, d'avoir une espèce de zone bonus, hein. D'accord, fallait que je m'en doute, hein, ça... J'aurais dû voir le truc venir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? J'aurais dû peut-être aller à gauche, d'abord. Autre chose? Non, on dirait pas. Alors. Non. Par contre, dans l'eau. Là, on peut voir que dans l'eau, il y a effectivement quelque chose. On va pouvoir acheter une nouvelle compétence, tiens. Voilà, l'ultra écrasement. Donc là, ça va... On va envoyer ces vers. Alors, il me faut trouver des cristaux bleus. Est-ce qu'il y en avait? Non, il y en avait pas là. Bon, bah écoutez, je pense qu'on pourra revenir une autre fois ici, hein. Ce passage va poser quelques problèmes, je pense. Alors, est-ce que je retombe sur une zone connue? Apparemment, oui, hein. Donc, nous, par contre, ce qu'il fallait faire, c'est monter par là, donc, demi-tour. Simplement.
ça valait la peine quand même, hein. On va pas le mentir. Et du coup, on peut pas aller chercher le bonus à 4 là-bas. Ouh là là, l'échappée belle. Par où dois-je remonter? Par là, apparemment. Ouh là là. Par où puis-je remonter? Par la gauche, hein, ça me semble beaucoup plus court. Ok, ok. Bon, c'est donc ici que je vous laisse, ça fait un peu plus de 25 minutes que je filme, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, je suis content d'avoir réussi le début de cet épisode. Donc, on se voit dans le prochain épisode, c'est-à-dire l'épisode 11 de Ori. Et d'ici là, portez-vous bien.